Alors, après avoir bien avancé dans la malheur, on arrive jamais seul. On a une mission ici. Un chocobo exceptionnel. Ne bougez pas, ça risque de s'aggraver. Hé, hey, toi là, viens donc voir un peu par ici, tu veux bien? Tu aurais une minute à m'accorder? Je suis sûr que oui. Les gardes, c'est serviable normalement. Bon, en venant ici, j'ai vu des chocobos se faire attaquer. Ils auraient vraiment besoin d'aide pour repousser des bandits. Des chocobos? Oui, les oiseaux. Tu connais, hein? Tu sais, ils vivent dans le coin. Mais ces chocobos-là sont exceptionnels. Des volatiles hors du commun. Des créatures dotées d'un sens de la justice. Elles protègent les voyageurs et les marchands des bandits en tout genre. Des chocobos qui jouent aux justiciers? Je te jure! Hier, ils m'ont défendu contre un groupe de bandits sanguinaires. Ils m'ont sauvé la vie. Hélas, depuis, ces brigands veulent se venger d'eux. Le temps presse! Reste pas planté là! File les aider! D'accord. Ça, c'est gentil. Et où est-ce que se trouvent ces chocobos? Je les ai vus traverser la route plus loin. C'était juste après l'assaut des bandits qui les a poussés à fuir en direction du ponton. Ils risquent de se faire massacrer! Ils vont nous tuer, vaillante, si tu n'interviens pas. C'est le surnom qu'on a donné à cette courageuse bête. Elle a toujours aidé les marchands du coin. Noble animal. C'est le genre qu'on reconnaît au premier coup d'œil. J'ai bien compris. Bon, c'est pas tout. Vas-y, parce que t'as des bandits à corriger, mon ami. Voilà un nom qui en dit long. Une plume blanche. Et moi qui croyais que c'était très rare. Ma chère Ambroisie. Il y a des empreintes. Ces chocobos leur ont montré de quel bois ils se chauffent. Ça se présente mal. On vous tient, sale bête. On va vous montrer ce qu'il en coûte de se frotter à nous. Vous nous en avez fait baver. Mais ça, c'est terminé. On va enfin vous saigner. Vous ferez beaucoup moins les malins une fois empaillés. Pas si vite. T'es qui, toi? Dégage de là. Savez-vous au moins que ces chocobos sont des héros? Laissez-les filer, ou je m'occupe de vous. Non, mais écoutez-le, celui-là. Si tu crois que tu vas nous priver de nos proies, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Comme vous voudrez. Vous ne me laissez pas le choix. Allez! Et mal, non? Allez.
Ça va aller. C'est donc toi, Vaillante. Tu es déjà conquis ? Attends. Tu ne serais pas... Ambroisie. C'est bien toi. Tu es en vie. Et tu es très bien entouré. Oui, y a plus de bandits? Je m'inquiétais, alors je suis venu jeter un œil. Oh, tu leur as sacrément botté les fesses, hein? J'en étais sûr. Et les chocobos sont tous sains et saufs. Heureusement, en effet. Et j'ai appris quelque chose. Ça, c'est incroyable! Que tu retrouves ici le chocobo de ton enfance, c'est une sacrée coïncidence, dis donc! En tout cas, je suis sûr que Vaillante ne t'a jamais oublié. Elle a appris à ne pas se laisser faire en te regardant quand elle était petite. Et ça lui a permis de veiller sur nous tous. Mais avec ce plumage, c'était une monture de roi. Tu es de la haute société? Pas vraiment. Désolé, je fourre encore mon nez partout. Tu les as sauvés, et c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu as? Elle veut repartir avec toi, je crois. Et oui, et ses amis la soutiennent. C'est vrai? Tu veux qu'on reparte ensemble? J'en aurais presque la larme à l'œil en vous regardant. Les années n'auront pas réussi à vous séparer l'un de l'autre. Oh, ne bougez pas d'une plume. Mais ça lui va comme un gant, ça. Ça, c'est bien vrai. Combien est-ce que je vous dois? Je peux bien donner quelques morceaux de cuir à notre grande héroïne. Ah, ce sera vraiment bizarre sans elle, c'est sûr. Mais on ne peut tout de même pas la forcer à rester ici avec nous. On doit se ressaisir et apprendre à nous défendre par nous-mêmes. T'as compris, ma belle? Tu peux t'en aller l'esprit léger. Suis ton maître et profites-en pour voir du pays. Mais dis-moi donc, l'ami, on ne se serait pas déjà croisé quelque part? Je sais! Tu ressembles à un gars qui m'a aidé un jour. C'était pas toi? Non. Oublie donc ça. Ça devait être un pourvoyeur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai dû rêver. C'est juste que j'ai déjà demandé un service à un type et il te ressemblait. Comme deux gouttes d'eau. Enfin bref, il faut que j'y retourne. Merci encore à tous les deux. On se reverra bientôt, Ambroisie. Nos destins sont liés. Alors, harnachement, Ambroisie, objet décoratif pouvant être observé de plus près dans les quartiers de Clive.
On est toujours disponible. Là, il peut désormais se déplacer sur sa monture. Il suffit de maintenir R3 dans la zone, dans une zone extérieure pour l'appeler, appuyer sur X pour la monter. Génial, hein. Qui peut voyager loin. Lâche sa monture. Ah, super. Cool.